famille, bonne année, salut tout le monde, salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est la vidéo de motivation nettoyage. Je vous montre mon salon, comment elle est dirty, salité, tala, nina, les bois comme un ango. Ma rando, ils en ont assez, ils en ont belé. Donc, nous allons faire les nettoyages. Voilà pourquoi je vous montre mon salon, comment il est. Les jours avant, je ne sais pas combien de temps, ils ont boué. Donc, là, comment c'était les last night. Les salons comme ça, très sales. Et nous allons nettoyer ensemble avec vous. Évidemment, là, vous voyez, je vous présente tout ce qui est sale dans mon salon, qui nécessite nettoyage. Mamie, mamie, nettoyez-nous. Ça, comment ma table est là, ma table est comme ça, mon bar est comme ça, très sale. Je vous ferai une vidéo comment je nettoie mon bar. Donc là, vous me voyez là, hello. Mon bar, vraiment, il est en désordre parce que vous voyez les Noël, tout et tout. Donc, on a tout mis, c'est par-ci, par-là. Donc, c'était en désordre, voilà. Nous allons nettoyer ensemble avec vous, voilà. Premièrement, je vais commencer à aérer le salon. Je vais aérer mon salon. Je vais ouvrir les fenêtres, laisser l'air entrer, enlever tous les solos de last night et puis aérer. Donc, j'ai ces trucs ici que j'attache mes rideaux. Voilà, je danse là. J'attache mes rideaux et puis, je ne sais pas si vous en voulez, envoyez-moi un message, je vous laisserai les liens si vous voulez ça. Donc, je peux vous laisser les liens. J'avais acheté sur Amazon, j'attache les rideaux. En tout cas, ça s'attache très bien. Voilà. Si tu es ici, tu visites cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, c'est Kiki M Grace. Et suivez-nous aussi sur Instagram Kiki M Grace. Comme vous voyez là, mon Instagram, c'est là, Kiki M Grace. Il y a des photos que je partage. Il y a aussi les liens, il y a tout ma daily life que je fais pendant la journée aussi. Je partage aussi avec les filles, avec les gens. Donc, suivez-moi sur Instagram, Kiki M Grace. En tout cas, vous allez aimer. Voilà, si vous êtes là pour la première fois, moi, c'est Kiki. Comme je vous ai dit précédemment, je suis une YouTubeuse. Je fais des vidéos aussi. La cuisine, je prépare surtout beaucoup plus, c'est la cuisine européenne, vraiment, c'est des petites astuces, montrer aux mamans comment faire des petits repas aux enfants, même à nous aussi à la maison. Donc, je fais aussi la décoration, donc je partage aussi des astuces, et comment décorer ça. Sa maison, sûrement, précisément les salons, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain. Donc voilà, il y a plein de vidéos que si vous checkez ma chaîne, vous allez voir. Je fais aussi des vlogs avec mon mari et nous faisons aussi des conseils pour les couples. Voilà. Donc, vous êtes dans la, si vous avez aimé tous ces sujets, vous êtes dans la bonne chaîne. Je vous invite de pouvoir vous abonner et de cliquer les liens, la cloche des notifications pour ne rien rater si nous postons une nouvelle vidéo. Voilà, allons-y sur la vidéo d'aujourd'hui. Là, je vais débarrasser. Vous voyez, c'est ça qui c'est Store-Bob. C'est là où mon mari travaille. Donc, c'est un cadeau qu'on l'a remis pendant les fêtes de Noël. Bon, comme je voulais garder cette bague jalousement, voilà. J'ai dit, je vais mettre le truc de mes enfants. Tu avais vu les boules que j'avais attachées sur mon sapin, qui a les photos de mes enfants. Je vais le mettre là-bas pour les garder jalousement. En même temps aussi, garder aussi ces bagues-là, ce petit sac comme souvenir. Voilà. Je vais tout enlever de mon sapin. Souvent, nous, ici en Angleterre, on enlève le sapin le 26 décembre. Bon, comme j'étais trop fatiguée, vous savez, moi aussi, je travaille temps plein. Donc, j'ai voulu le faire ici juste au 2 janvier. Débarrasser mon sapin. Et puis, le sapin, là, c'est à jeter, comme je vous avais dit. C'est déjà jeté depuis l'année passée, mais comme il y avait confinement, on n'avait pas pu acheter un nouveau sapin, je l'ai récupéré. Mais là, aujourd'hui, confinement ou pas, c'est décembre ici. En tout cas, le sapin sera dans le bide. C'est très bien, ça, en bon état. Bon, s'il y avait
magasin ouvert, on allait donner ça sur, comment on appelle, c'est charité, parce que peut-être il y aura des gens qui devaient les réutiliser, mais comme le tout est fermé, donc nous allons seulement jeter dans le bin. Là, j'enlève tous les lights, bamine d'agneau, je vais tout enlever. Ce qui est à cacher pour le reused, je vais cacher, mais ce qui est à jeter, je vais jeter. Donc, vous voyez les images, comment je fais. Et puis, je vous laisse les images. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Voilà, là, j'ai fini à débarrasser tout ce qui était sapin. Maintenant, je vais commencer à enlever toutes les poussières et les toiles d'araignée avec les dust. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais j'enlève toutes les poussières dans tout autour où il y a les toiles, dans le rideau, dans le plafond, vous voyez. Donc, je vais tout enlever parce que des fois, on ne sait pas. Il y a ceux qui sont visibles. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas visibles. Donc, je vais tout nettoyer. Et puis après, nous allons entamer notre cleaning. Et là, je vais prendre les sèches-cheveux, le Pink Lab. Je vais commencer à sécher tous les arbres, le fleur. C'est juste question d'éliminer les toiles d'araignée, les petites poussières qui est tout autour. Donc, avec les sèches-cheveux, c'est plus facile. Je vais tout faire. Donc, tout ce qui est arbre, fleurs dans ma maison, je vais tout éliminer à travers ces sèches-cheveux. Et puis maintenant, nous allons toujours continuer notre cleaning. Et là, maintenant, je vais enlever toutes les poussières des chaises de façon que quand je vais balayer le sol, ma poussière qu'ils ont ajoutée. Je vais enlever tous les oreillers. Et avant d'ailleurs, j'avais enlevé d'autres que j'avais déjà lavé. C'était juste après Noël, j'avais lavé. Et je vais remettre, mais ça, je vais aussi enlever pour laver. Donc là, je remets les têtes d'oreiller que j'avais lavées avant. Ma fille est venue m'aider. Les gens qui me suivent sur Instagram, je partage avec mon modèle élève, comme je vous ai dit. Quand ma fille m'aide à préparer, je partage tout sur Instagram. Donc là, elle va m'aider à remettre les ours des coussins dans leur place. Et puis, en tout cas, j'ai besoin d'avoir plus parce que il y a d'autres que j'avais jetés. Bon, je vais récupérer peut-être après. Il y a aussi mon rug, je ne sais pas, un petit tapis là qui vient sous la table. Il y a un peu de bois kaki et celui des salles à manger. Nous allons toujours aussi acheter, mais ça sera après, bébé, qu'après ma fête, l'argent et tout. Donc, je vais tout remettre en place et puis les classer en ordre. Mes chaises, j'avais déjà clean les chaises déjà avant là, avant Noël, donc c'est déjà ma kitty. Donc, là, c'est clean, vraiment c'est clean et puis.
Je vais monter ma table basse, elle est cassée. Donc, ma coffee table, elle était cassée. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma table était cassée. Il y a ma fille qui était montée sur la table. C'est la table en marbre. Et puis, du coup, quand elle était montée, elle a voulu tomber. Et puis, son papa l'a récupérée. On suivait la télé, nous deux. Son papa l'a récupérée. Voilà la table. Et elle est tombée dans la petite, la partie supérieure est tombée. Donc, elle est cassée là-bas. Vous voyez, nous sommes allés acheter la table. Bon, il n'y en avait plus, le même modèle, dans les shops où on achète. Et puis, il n'y en avait pas vraiment de table à marbre. Bon, je ne sais pas. C'est que si nous allons changer nos idées, acheter la table en vitre ou quoi. Mais online, les gens qui me suivent, c'est Instagram. J'avais vu des tables en ligne, c'est Instagram. Je vais aussi partager. Et puis, il y avait aussi les gens qui m'ont dit ce qu'ils ont choisi. Donc, nous allons parler avec John, quelle table que nous allons prendre et puis remplacer. Donc là, je continue de passer l'aspirateur. Je vais passer l'aspirateur, nettoyer tout au fond là-bas. Il ne faut pas seulement nettoyer là où vous voyez. En tout cas, je vous encourage, le maman. Il faut nettoyer là où vous ne voyez pas. Tirer des chaises, aller jusqu'au bout là. C'est ta maison, c'est toi-même qui vas le faire. Il n'y a personne qui va faire à ta place. Donc, insister vraiment là-bas, place où on a. Donc, il faut vraiment insister et puis nettoyer très bien. Ici, je vous en prie seulement, c'est juste, je vais laver cette bouteille des bonbons et puis je vais changer, puis avoir les nettoyer, puis mettre des suites, des nouveaux suites. Donc là, je vais prendre mon mop à vapeur, je mets que de l'eau, je ne mets pas de détergent, c'est juste de l'eau et puis je vais mopper. Vraiment, j'aime les mops à vapeur, c'est tout pour tuer des petits insectes que nous ne voyons pas, qui sont au sol. Donc, je vous laisse les images de suivre la suite. Là maintenant, j'ai fini de mopper la maison. Je vais remettre le flair et puis je vais nettoyer. Donc, je vais clean ce qui est en haut. Donc, je vais clean, mais comme vous voyez là, mes trucs de bougie. Donc, je vais prendre les wipes désinfectants, hein? Les wipes désinfectants. Et puis, je vais désinfecter et puis clean partout. Et puis, je vais aussi prendre les wipes qui clean les glaces dans le vitre. Hein. Je vais aussi prendre pour nettoyer la télé, nettoyer partout. Donc, je vous laisse les images. J'ai bien nettoyé la table, même la partie en bas. Comme vous voyez, je vous mets là où c'était cassé. J'aime vraiment cette table, vraiment, mais malheureusement, on n'a pas de choix. Donc,
Nous allons changer et puis avoir des new ones. Je ne sais pas quel qu'on va avoir. Et puis notre tapis, comme je vous ai dit, le tapis là en bas, le rug. Et puis, donc, je vais tout remettre. Cette fois-ci, je ne veux pas mettre les livres. Bon, je vais seulement mettre les bougies. Et puis, je veux. Donc, ma fille va venir me donner les bougies, comme je vous ai dit. Elle m'aide souvent aussi. Donc, je voulais garder mes bougies de Noël parce que je les aime trop, vraiment, l'esthétique. Je voulais garder ces bougies-là. C'est très joli. Donc, voilà, je finis. Et puis, après, là, je vais prendre le spray de vitre, hein, pour nettoyer les vitres du salon. Donc, je vais spray et puis je vais nettoyer les vitres. Comme il fait très, très froid, vous voyez, l'hiver, dans les fenêtres, c'était ouvert, je sais pas, 5 heures du temps quand je faisais ça. Et puis, il fait très, très froid. Donc, la maison est déjà aérée. Je vais nettoyer les fenêtres et puis fermer les rideaux. Donc, voilà. Là, maintenant, je prends la bouteille, comme je vous ai dit. La bouteille des suites. Donc, je vais prendre les suites restantes, ce qui était resté après Noël. Je vais mettre là. Souvent, nous mettons le bonbon, les chocolats. C'est juste les goûters, les snacks pour les enfants. Donc, il y a une table là, une console table que je mets uniquement pour eux. Donc, je vais nettoyer la table là. Et puis, je vais nettoyer puis remplacer les suites et le flair. Donc, voilà. Là, je nettoie. Vous voyez comme je nettoie les photos. Souvent, je dis que c'est les bonbons ici appartiennent à ces quatre ici qui sont dans des photos dont les enfants rient. Nous avons cette habitude-là de dire ces histoires qui sont ici appartiennent à ces. Donc, voilà. C'est ça notre. Donc, la petite table que je mets les bonbons des enfants. Ça fait du bien. C'est juste les snacks, en tout cas. Avoir ça dans les salons pour tes enfants, c'est bien. Vous voyez? Et Miki Toko. OK. Là, je vais aussi entamer ma salle à manger. Je suis presque à la fin, hein, de ma décoration, de mon nettoyage. Donc, je vais nettoyer la salle à manger et puis remettre tout, remplacer tout. Donc, mes livres, là, je vais chercher une autre place, peut-être les cacher. Parce que Ngaba livre de Tchakawana, ce n'est pas seulement les livres de décoration, ce sont les livres de mon garden et puis la cuisine. Donc, les histoires que je bec. Parce que moi, je ne suis pas forte à baking. Donc, je suis forte à cooking, mais pas baking. Baking, souvent, je regarde dans le livre et puis je prends la recette, je fais. Et puis, le gardening, tu vois, les gardens. Donc, les livres là, je lis là. Donc, ce sont les livres que je lis, voilà. Je vais les garder, chercher une autre place à les mettre. Voilà. Mon nettoyage, je pense qu'il est fini. Donc, ma salle à manger est finie. Vous avez vu les gros bougies que je mets là. Sur ma salle à manger, je pense qu'il est fini. Donc, là, maintenant, je vais prendre mon spray de fabrique, le spray de fabrique. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer les noms. C'est le fabrique. Donc, je spray sur tout ce qui est fabrique. Donc, sur mes rideaux, sur mes coussins, les coussins de la chambre, les coussins du salon. C'est juste un fraîcheur. Donc, ça donne du fraîcheur. Même sur les draps, vous aussi, le spray sur les draps. Voilà les noms et là, je ne sais pas si vous allez bien voir dans Fabric, s'il y a des dessins, des habits, des rideaux. Donc, c'est juste un fraîcheur dans la maison. Et ça, là, qui donc, après les nettoyages, après un travail là, grand et mon tout ça là, que le maman nous avons fait, nous faisons au spray, ou en épais, ça, donc, fraîcheur, mon qu'on essayez, achetez ça, vous allez aimer. Je ne sais pas dans le pays que vous êtes, donc. Vous allez aimer, peut-être le nom peut être différemment, mais et ça là qui tourne. Donc voilà, tout est fini. Donc tout est fini. Là, je vais passer ma caméra, vous montrer le rendu de mon salon, de mon nettoyage. OK, merci à tous qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et aussi partagez la vidéo si vous avez aimé. Que mon Dieu vous bénisse. La team Dombasi, nous vous aimons beaucoup. Bye bye.